Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon avis sur Lost Ark pré-niveau 50. On va bien séparer en deux vidéos, une avant le niveau 50 et une après, parce que le jeu n'est pas du tout... On va commencer par une base qui est toute bête mais qui est très importante, c'est que Lost Ark est graphiquement très beau. Que ce soit au niveau du visuel général, avec une ambiance très agréable, avec beaucoup de couleurs très chatoyantes, même dans les zones un peu sombres du jeu, un peu dark, on apprécie énormément se balader dans cet univers, sachant qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts. Des côtés un petit peu steampunk, des côtés très fleuris, des côtés plutôt asiatiques, évidemment, avec leurs petites touches très sympas. Et on a aussi certains endroits qui sont dans des jungles, d'autres qui sont dans de la neige. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour que chacun trouve chaussure à son pied. Évidemment, ces graphismes vont avec une certaine demande en termes d'ordinateur, mais c'est normal, c'est un jeu de 2018, prenez-le bien en compte. Si vous voulez vous lancer, cela n'empêchera pas d'apprécier en tout cas l'aventure. Et cette aventure, parlons-en. Puisque le scénario du jeu, il existe bien, n'est pas désagréable en soi. Vous pouvez le suivre un petit peu comme en film, on va dire. Il est sympa, mais il casse pas trois pattes à un canard, qu'on soit d'accord. Il n'est pas désagréable non plus. On n'est pas dans quelque chose où on va s'ennuyer, parce qu'il se passe régulièrement pas mal de petites actions, sans que je vous spoil évidemment. Mais on appréciera petit à petit le voir évoluer, et surtout, il continue après le niveau 50. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes niveau max, que vous êtes juste en train d'améliorer votre stuff, eh bien vous avez besoin d'un stuff amélioré pour continuer les quêtes et pouvoir avancer, savoir ce qui se passe ensuite. Ça, c'est quelque chose d'assez appréciable. Maintenant, évidemment, ce scénario, en le faisant uniquement, vous allez passer au niveau maximum, qui est le niveau là, à la base 60, mais on va dire que du 50 au 60, c'est plus du hard farming qu'autre chose. La fin globale, c'est 50, on va dire, et après vous entrez dans le contenu endgame. À côté de ce scénario, vous allez avoir des quêtes annexes que vous pouvez faire et qui ont l'avantage d'être toutes très fluides parce que c'est directement dans la suite de la quête principale, c'est à chaque fois dans les mêmes zones, les PNJ sont à côté. Vous avez vraiment une espèce de grand couloir à suivre tout au long du jeu pour avancer la partie. D'aucuns aimeront, d'autres vont détester, mais on peut en soi se dire que c'est au moins très pratique. Pas de choses à chercher à des endroits on ne sait où, il y a un côté agréable et on se prend vite au jeu, même si toute cette partie, on va dire presque tuto, parce que c'est un petit peu ça toute la quête principale, peut être assez longue. On compte une vingtaine d'heures, peut-être entre 13 et 15 pour les plus rapides. A noter que dans ce jeu, vous avez différents champs pour différentes actions, il faut voir ça un petit peu comme les musiques dans Zelda Ocarina of Time. C'est très agréable, ça s'écoute bien et chaque classe a une sonorité différente. Vous avez en outre très tôt dans le jeu des TP auxquels vous avez accès pour aller de zone en zone. Ça vous coûte un peu d'argent, mais ça reste tout à fait acceptable. Et ça, par contre, c'est très, très, très pratique. Vraiment. Mais on est dans toute l'idée d'un jeu moderne, avec tout le confort qu'on attend dans ce genre de jeu, évidemment. Vous avez aussi très tôt dans la partie accès à un pet qui va ramasser les loot pour vous. Exit les Diablo 2 à l'ancienne, on devait cliquer sur chaque loot et c'était le plus rapide qui allait récupérer les trucs. Pas de problème là-dessus, chaque personne a ses propres loot et votre pet va tout ramasser. Ce qui est assez appréciable, on va pas se le cacher. Maintenant, vous avez aussi accès à une monture très tôt dans le jeu, qui vous permet de vous déplacer un peu plus vite, vous la sortez, vous la rentrez extrêmement facilement. On est toujours dans cette idée vraiment de jeu très fluide, très pratique. Voilà, on n'est pas dans les jeux qui sont sortis il y a 7, 8, 9, 10 ans, des choses comme ça. Et ça se ressent. On a ce côté, c'est agréable d'y jouer. On a une bonne fluidité. Maintenant, c'est un petit peu pareil pour la récolte de composants. Il faut savoir qu'il y a un système d'artisanat, vous avez un système de forteresse, un petit peu de housing pour le coup. Et ça, vous allez récupérer des ressources sur la map, vous appuyez sur un bouton, ça les récolte, GG Wallplay. C'est pas très compliqué à gérer, vous pouvez pêcher, bref, il y a plusieurs, on va dire, récoltes de ressources possibles, chacune avec ses petits tricks potentiels. Enfin, tricks, mettons de grosses guillemets à cela, bien sûr. Vous allez avoir dans le jeu, évidemment, quitte à avoir des composants, vous allez avoir un petit peu de craft, et vous allez avoir des objets à utiliser selon différentes situations. Je ne vous spoil pas ici le contenu endgame, mais vous avez des basiques, des potions et autres, ainsi que des objets supplémentaires qui vont vous aider pour les combats directement avec les monstres, qui peuvent faire des effets, des dégâts et des choses du genre. On va maintenant passer dans la partie qui va le plus vous intéresser, le gameplay. On est sur un gameplay ultra agréable, ultra dynamique, vous allez le voir en vidéo, ça cogne sévère, et les sorts dès le début du jeu ont la classe de fou. Vous avez le choix entre plusieurs classes, alors chaque race sont genrées, il n'y a que des hommes ou que des femmes pour certaines classes, vous ne pouvez pas choisir de faire par exemple un mage masculin, ça n'existe pas dans le jeu, c'est un jeu coréen, il a été fait comme ça, il faudra faire avec, et en termes de graphisme d'ailleurs, vous allez aussi avoir uniquement des super canons ou des mecs super baraqués, point. C'est le style coréen, c'est comme ça, il faut s'adapter, on aime ou on n'aime pas, de toute façon, moi perso, j'aime pas le fait d'avoir un perso qui est super canon dès le début du jeu. Que mon perso au niveau max soit ultra canon, ça me gêne pas quand t'es super puissant. Au début, je veux ressembler à un aventurier naze. C'est pas possible dans ce jeu. On fait avec. Au niveau du gameplay, par contre, revenons-en aux moutons. C'est très important. Le gameplay est d'une fluidité colossale. Vous allez pouvoir enchaîner les combats les uns après les autres. Vraiment faire des spells qui vous déplacent, qui sont visuellement beaucoup trop classe. D'ailleurs, vous pouvez enlever
les spells de vos alliés, et c'est très important à certains moments, parce que lorsque vous êtes 3-4, ça va. Lorsque vous êtes une vingtaine en train de taper un boss, je vous cache pas qu'on ne voit plus rien à l'écran, donc je vous conseillerais d'aller changer ça dans les options. Mais bon, c'est presque un détail. Vous avez 8 compétences accessibles à chaque moment de la partie. Évidemment, vous allez pouvoir changer ces compétences et les faire évoluer, mais on verra ça plus tard. Vous choisissez donc 8 compétences parmi un bien plus grand nombre, et vous allez vous battre avec ça. Les compétences, certaines sont canalisées, vous devez rester appuyé dessus pour qu'elles fassent effet. D'autres sont chargées, vous devez appuyer dessus une fois que la barre est à fond relâchée. D'autres, c'est simplement un presto-attaque, vous appuyez sur le bouton, la compétence se fait. Certaines font des dégâts, d'autres du CC, parfois un cumul des deux, parfois ça dash en plus, parfois ça casse la barrière de l'ennemi. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte, plein de petits détails, outre les dégâts, les éléments et autres. Mais ça, ça vous permet d'avoir déjà vos 8 compétences, c'est-à-dire que chaque classe a aussi une compétence de classe en appuyant sur W, et plus tard, vous débloquerez d'autres petites subtilités qui ne sont pas piquées des hannetons, vraiment. Maintenant, ce gameplay agréable où on tabasse des mobs en chaîne, c'est la base du hack and slash. Ici, on est dans un MMO hack and slash, c'est cool. Mais en théorie, dans un hack and slash, on a de la satisfaction de tuer des monstres. Et c'est là tout mon problème dans le jeu. Pendant la phase de PEX, vous n'avez aucune satisfaction à tuer des monstres. Pourquoi ? Parce que le sound design n'est pas incroyable quand vous en tuez. C'est très rare que j'ai été satisfait de me dire « Ah, je tuais des monstres, j'ai senti la puissance et tout. » Et vous ne gagnez pas d'XP, pas de gold et pas d'items. Quasiment, en tout cas en tuant des mobs. Et ça, bah, dans ce genre de jeu, je trouve que c'est un peu problématique parce que justement, c'est la base des hack and slash. Donc vraiment, c'est très perturbant et moi, ça m'a beaucoup gêné pendant très longtemps. Level max, on a beaucoup moins de soucis là, évidemment. À côté de ça, vous allez avoir des combats contre des boss qui sont épiques, c'est dantesque. Il y a des boss qui sont grands, d'autres petits. Vous avez des compétences à esquiver en direct. Il faut savoir que vos compétences à vous, si elles sont canalisées, forcément, ça vous lock complètement pendant la compétence. Donc vous allez vous prendre des spells, vous devez dash, faire plein de trucs. Et ça, les combats contre les boss, mais ça fait quelque chose. Vraiment, en termes de gameplay, on sent qu'on est sur un jeu ultra agréable. C'est très bizarre par contre de passer d'un Diablo où on peut spam les spells à ça, où on a des CD sur chaque spell, mais il faut s'adapter, trouver vos propres timings, savoir quelles compétences utiliser à quel moment esquiver et tout, et ça, ça nous fait des combats mais qui sont beaucoup trop cool. Et là, je ne parle que de la quête principale, je ne vous ai pas parlé du contenu endgame, ça on y viendra sur une autre vidéo évidemment, ça reste quelque chose qui est génialissime, j'ai beaucoup apprécié. La phase de PEX est très longue avant d'arriver au niveau max, et une fois au niveau max, on se retrouve enseveli sous son truc à faire, mais c'est là où la fin du tuto commence et on va pouvoir commencer à apprécier le jeu. Dans tous les cas, sur ce jeu, j'avoue que j'ai pris du plaisir en termes de gameplay. Juste, j'étais un peu déçu parce que dès le début, nos spells ont vraiment la classe. Et quand on augmente de niveau, on n'a pas l'impression d'avoir des spells plus intéressants. Voilà, c'est ça qui était un peu dommage. Quand un spell de niveau 1 qui a la classe et un spell de niveau 40, bah, les spells ont de base toujours beaucoup la classe. Et c'est un petit peu étrange de passer de l'un à l'autre. Donc il faut juste voir ça plutôt comme un kit et vous choisissez dans ce kit ce qui vous plaît ou pas. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très bientôt pour la partie post-level 50 de Lost Ark.